On les appelle les FORMISC, formation militaire de la sécurité civile. Spécialistes du risque majeur, ces sapeurs-sauveteurs constituent le bras armé de l'État, intervenant sur toutes les grandes catastrophes, en France comme à l'étranger. Unité de renfort national, les FORMISC sont engagés sur ordre du COGIC pour faire face à des événements naturels ou technologiques exceptionnels. Capables d'aligner jusqu'à 1500 sapeurs-sauveteurs, les FORMISC maintiennent près de 300 d'entre eux en astreinte permanente. En métropole, ils peuvent être engagés sur le lieu d'un sinistre en moins de 3 heures. Sollicités d'un bout à l'autre du globe, les détachements d'intervention sont constitués par la réunion de modules spécialisés. Ils peuvent ainsi être engagés dans une grande variété de situations et adapter leur mission à l'évolution de la crise. Parmi leurs capacités opérationnelles, on trouve notamment les séismes, les cyclones et inondations, les feux de forêt, les urgences sanitaires et les menaces dites NRBC, qu'elles soient d'origine accidentelle ou terroriste. Outre l'état-major installé dans les locaux de la DSC, les FORMISC disposent de 3 unités d'intervention basées à Nogent-le-Rotrou, Brignoles et Corté.